Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cacher une application sur iPhone. Ok, on a trois méthodes et on va tous vous montrer toutes les trois méthodes. La première méthode pour cacher une application sur iPhone, c'est facile. C'est d'appuyer sur et maintenir sur l'application. Ok, appuyer et maintenir sur l'application et cliquer sur cette icône qui dit moins, vous allez cliquer sur cette icône et vous allez choisir cette deuxième option qui dit supprimer de l'écran. Donc si on clique sur cette dernière option, vous pouvez constater on a supprimé l'application de notre écran. Mais si on part ici, on peut retrouver l'application, le voici, on peut le retrouver. Ok, on peut le retrouver. Ok, le voici. Ça, c'est la première méthode. On a aussi une deuxième méthode. C'est d'appuyer et maintenir sur l'écran et cliquer sur cette option. Cliquer ici. Ok, ici, vous pouvez cacher des applications sur l'écran. Donc, si je clique ici, ça va cacher cette partie d'écran. Donc, ça va cacher toutes les applications qui sont sur cette partie. Si je clique aussi sur cette première, et je clique sur OK. Ok, si j'ai juste un seul écran. Vous voyez, j'ai juste un seul écran. Donc, toutes les autres applications, ils viennent de tous les cacher. Ok, ça c'est la deuxième méthode. Maintenant, on a aussi une troisième méthode pour cacher les applications. Et c'est pour partir dans vos paramètres. Et ensuite ici, vous allez cliquer sur cette option qui dit temps d'écran. Vous allez cliquer sur temps d'écran. Okay, ici, vous allez cliquer sur cette dernière option qui dit contenu et confidentialité. Vous allez cliquer au-dessus. Et pour le moment, c'est pas activé. Donc, on va activer. Okay, ici, vous allez cliquer sur cette troisième option qui dit restriction de contenu. Vous allez cliquer sur cette troisième option. Ok, ici, vous allez retrouver cette avant-dernière option. Le voici qui dit application. Donc, vous allez cliquer sur application. Ici, vous pouvez choisir l'âge pour laquelle vous voulez l'application de s'afficher. Par exemple, si on choisit cette dernière qui dit 4+. Donc, si on choisit 4+, ok. Les applications qui vont s'afficher seront les applications des enfants pour l'âge de 4 en descendant. Vous voyez, toutes les applications sont sorties. Même ici, l'application, ça n'existe plus. Ok, même ici, ça n'existe plus. Vous voyez, toutes les applications sont sorties. Ok, donc voici comment cacher les applications sur votre iPhone. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et aussi abonner à la chaîne. Merci.